Salam alaikum et salut les gars, on se retrouve avec Evan61 pour une toute nouvelle vidéo. Du coup voilà, c'est une petite dégustation d'un genre de KFC, voilà, ça s'appelle HFC, mais c'est halal. Du coup voilà, dans le chat pendant la live, on m'a proposé de faire une dégustation KFC. Et puisque comme vous le savez, KFC c'est pas halal, voilà, il y a mon pote Okai qui m'a proposé ça, du coup dédicace à toi, voilà. Et du coup on va commencer directement les gars, voilà, on va sortir le poulet, le nuggets, bref, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon. C'est pas le truc le plus important. La sauce, voilà, sauce algérienne piquante. Franchement, très très délicieuse. Et les frites. Du coup, tout ça pour 20 euros, voilà. Mentalement, j'étais pas très prêt. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est la vie. Du coup, on va commencer par les frites. Du coup, ouais, 2 euros pour ça, ouais. Comment dire que j'ai vu mieux. Du coup, ouais, on va ouvrir la petite sauce. Ah là là, les gars, algérienne piquante. Personne peut s'asseoir à sa table et dire je suis meilleur que toi. Dites dans les commentaires, est-ce que quelqu'un peut s'asseoir à la table de la sauce algérienne et dire je suis meilleur que toi. Je crois pas. Celui-là. En vrai, malgré que les frites, c'est pas les meilleures que j'ai goûté de ma vie, en vrai, ça passe. Mais après, la sauce, elle fait tout. Du coup, les gars, on va goûter ce petit poulet, voilà. Du coup, j'avais vraiment jamais goûté ça parce que j'étais jamais allé à KFC. Moi, la plupart du temps... Quand vous allez au snack, vous mangez soit un hamburger ou un sandwich. Du coup, on va goûter pour la première fois un 3 bismillah, voilà. Wow. Oh là là, c'est... Toutes les saveurs... Wow, subhanallah, les gars. Subhanallah. On va prendre quelques moussoirs. Du coup, voilà. Si vous avez jamais goûté ça, bah vous devez goûter parce que... C'est indescriptible, c'est tellement bon. Toutes les saveurs y sont. C'est comme dans le durum, les gars, tout y est. On va retaper un croc pour être sûr, voilà, la certitude que c'est vraiment bon. Ou peut-être si tu. C'est mon cerveau, voilà, il a bugué. S'il vous plaît. Waouh. Vraiment, vraiment incroyable, les gars. Ouais, j'avais jamais goûté ça, mais voilà, du coup, je vous le conseille vraiment. Regardez, il y en a, je crois, 24, un truc comme ça. Bref, c'est pas ça le plus important. Mais en vrai, tout ça pour 20 euros, les gars. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est rentable ou pas? Parce que pour 20 euros, attendez, 4 kebabs quand même. Hein. Du coup, c'était ça ou 4 kebabs? Du coup, voilà, dans ma tête, je me dis, ça, c'est bon et tout, mais 4 kebabs, c'est 4 kebabs, quoi. Les gars, on va retaper un croc. Voilà, vous allez regarder ce magnifique croc. Ça me l'est. On va mettre juste un chua. Waouh, mais les gars, c'est vraiment délicieux. Du coup, les gars, n'hésitez pas à me dire déjà dans les commentaires, est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est rentable? Ou vaut mieux 4 kebabs? Du coup, les gars, voilà, on a goûté tout ça. On va un peu vous montrer les frites. Les frites, les gars, franchement, pas très ouf comme je vous l'ai dit, mais en vrai, ça va. Après, ils ont un peu refroidi quand on est allé les chercher il y a quelques minutes. Les gars, si vous voulez, voilà, je vais vous mettre... un petit extrait quand on est rentré, il y avait que nous et une personne, voilà. Toutes les tables, ils étaient fermées, etc. Du coup, on a commandé vite. Elle a pris un peu de temps, mais ça va. En vrai, ça mérite. Mais les gars, faut pas en abuser. Genre, chaque jour, vous allez manger tout ça. Moi, j'avais mangé ça, bah, il y a 2 semaines, j'avais mangé un durum. Et bah, du coup, j'avais mangé que des trucs entre guillemets sains. Et là, du coup, ça, avant, j'aimais pas trop. J'avais goûté, je me disais, bah, c'est dégueulasse et tout. En fait, quand je voyais ça, regardez, quand vous voyez comme ça, c'est pas. Quelqu'un qui aime pas goûter, qui aime pas tester, qui aime pas goûter des trucs, il va dire c'est dégueulasse. Du coup, c'est pour ça que j'aimais pas trop. Du coup, on va goûter les frites, les gars. On va en prendre plein, voilà. On va en prendre 4. Regardez, je vous laisse regarder les frites aussi. En vrai, ils sont trop fins. Moi je les préfère genre, quand ils sont plus cuits et plus rouges, bref. Ça me l'est. Les gars, on a mis une petite transition. Mon petit frère, il a goûté. Regardez quand vous pouvez. Il a tapé un petit croc et il a pas aimé. Du coup, je crois parce que bah, déjà, il aime pas trop le poulet comme ça. Il préfère juste quand c'est. Comment dire? Juste le poulet blanc. Vous voyez, quand vous avez un poulet, juste l'intérieur. Et aussi, c'est piquant. Du coup, voilà. Perso, les gars, en vrai, je sais pas. Je suis mitigé. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je vous le conseille? Je vous conseille pas. Depuis tout à l'heure, je me contredis. C'est. Moi-même, je sais pas en fait. Du coup, en vrai. Regardez, on va tout rejuger. Déjà, l'Algérie. En fait, l'Algérienne, déjà, elle fait tout le goût. Déjà, les gars, regardez, vous enlevez l'Algérienne. Vous n'avez plus que le poulet. Le poulet tout seul, c'est. En vrai, je trouve, sans la sauce, c'est vraiment sec. Du coup, est-ce qu'on peut dire que.
c'est bon. Du coup, regardez. Et puis, les frites, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment, vraiment, vraiment ouf. Et en fait, c'est j'ai l'impression, la sauce, les gars, elle fait vraiment tout. La sauce qui fait tout. Ouais, du coup, je sais pas. Franchement, je suis encore mitigé. Mais sinon, là-bas, là, j'y ai bien. Hein. Voilà, faut voir le bon côté des choses, les gars. HFC, voilà, avec leur petit poulet. Du coup, voilà, faut être optimiste dans la vie. Du coup, voilà, les gars, je vous ai bien dit que c'est bien de manger ça quelques fois. Mais voilà, en fait, c'est mieux d'aller manger bio ou de les faire soi-même. Du coup, les gars, en vrai, ce qui est du poulet, c'est pas très compliqué façon KFC. Du coup, si vous voulez aussi une vidéo façon KFC, n'hésitez pas à me le dire. Des frites façon HFC, voilà. N'hésitez pas à me le dire aussi. Et la sauce algérienne, ça sert à rien de me le dire parce que pour moi, les gars, c'est impossible. J'ai regardé toutes les vidéos comment faire une sauce algérienne, mais c'est vraiment impossible, les gars. Il y en a un, il a fait, il mélange de la samouraï, il met de la mayonnaise. Mais les gars, je sais pas, en vrai, tout le monde fait ça sauce algérienne. Il y en a 100 000 possibles, mais jamais vous allez tomber comme celle de KFC, comme celle d'Otakos, comme celle d'un snack. Du coup, voilà. Si vous savez comment faire une sauce algérienne comme ça, voilà, un peu similaire. Franchement, là, dites-le-moi, les gars. Vous m'envoyez un message sur Insta, sur Twitter. Vous me le dites, voilà, très important. Et du coup, voilà. Les gars, du coup, j'ai demandé à mon petit frère pourquoi il n'avait pas aimé. Je crois qu'il n'a pas aimé la chapelure. Et le piquant, il a dit qu'il avait aimé, mais voilà, c'est pas trop ça. Du coup, la chapelure, perso, la chapelure, ça, c'est. Bah, sans la chapelure, pour moi, ça aurait été dégueulasse. Et du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye!